Salut guys! Ben, aujourd'hui, je vais vous faire ma routine pour quand je me démaquille. Oh lord, je suis sûre que mes lunettes sont vraiment sales. Ouais, mes lunettes sont vraiment sales. Mais c'est pas le gars, je sais même pas si vous voyez. ouais, fait que je vais vous faire ma routine que je fais presque tout le temps quand j'ai plein de boutons. En ce moment, ma peau est quand même belle comparée à d'habitude. Je commence par me démaquiller. Fait que j'utilise le Bioderma lait 3 en 1, démaquillant, lotion, lait pour peau sensible. Avec des jets que j'ai acheté. Oh, je sais pas. Oh, mais ils ont donné comme cadeau. De la jade Joe Fresh. Genre, pour vrai, moi, je les achète au dollar. Hein. À un moment donné, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé. Je me suis démaquillée dans mon story. Puis, ma maquilleuse, quand même, m'a chicanée parce que, comme elle trouvait que j'y allais trop rough. Fait qu'on va y aller plus délicatement. Délicatement. En passant, je suis congestionnée. Encore. Oh, oh, je vais encore trop rough. On utilise un autre. Celui-là, je pense que ce démaquillant-là, ça dit sans rinçage. C'est ça que je l'aime parce que j'ai ça à laver ma face. Après, c'est hypoallergène et sans parfum. Bon, le parfum, ça me dérange pas tant, mais... Parce que parfum, c'est pas bon pour la peau, so... Je m'attaque aux yeux. Je fais vraiment attention de bien nettoyer les yeux. Parce que si je me démaquille pas super bien le lendemain, j'ai les yeux super rouges. Après, j'utilise ça. Non, j'en mets un peu, genre vraiment pas beaucoup parce que faut vraiment pas en mettre dans les yeux parce que ça brûle, guys. Non, puis ça pue. Mais c'est vraiment efficace. Pas dans les yeux, même pas à côté, ça brûle comme intense. Ouh. Ouh, ça brûle. On fait sécher un peu. Ce que je mets à la fin, c'est un pot, c'est comme plein d'huile que j'ai mélangé ensemble. Là-dedans, il y a du beurre de karité que j'ai commandé sur Amazon. Il y a du beurre de karité pur, 100% naturel. Ensuite, je mets plein d'huile essentielle. Un jour, je vais vous le faire en vidéo parce qu'il y a vraiment trop de choses là-dedans. Fait que il m'en reste presque plus, fait que je vais vous en faire un bientôt. Mais, ouais, du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile d'olive, des huiles essentielles comme de l'huile de théier, plein d'huiles essentielles qui sont bonnes pour la peau, dans le fond. Sinon, de l'huile de jojoba, de la vitamine E. En tout cas, il y a beaucoup d'affaires. Fait que la prochaine fois, on m'en est une de ces vidéos, je vous ferai un tutorial, genre, de comment faire la crème. C'est vraiment pas compliqué, là. Tu fais juste tout mélanger. J'ai pas de quantité, je m'en fous. Je mets tout ce que j'ai. Fait que ça coûte cher à faire, mais ça dure vraiment, 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 vraiment longtemps. Ça coûte cher parce que, comme tu sais, tu dois acheter chaque pot d'huile individuellement. Fait que ça peut revenir cher, mais je veux dire, si t'achètes de la crème régulièrement,
ça vaut la peine parce que ça dure hyper longtemps. Je mets cette quantité et je mets dans la même main de l'huile de thé. Ça, je mets pour vrai 2 ou 3 gouttes. Faudrait vous informer. Je suis vraiment pas une connaisseuse. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est par expérience. 2, 3. J'en mets 3. Ça sent vraiment fort pour ceux qui savent pas c'est quoi de l'huile de théier. C'est juste que c'est super bon pour la peau, pour désinfecter, pour tuer toutes les bactéries. Là, je passe. Voilà! Et ça, c'est ma routine presque tous les soirs. En tout cas, quand je suis maquillée, c'est ça que je fais pour me démaquiller. Et ensuite, nourrir ma peau. Dans le fond, ma peau, j'ai de l'acné depuis genre 6e année du primaire. J'ai essayé tellement d'affaires. J'ai tout essayé. Ça marchait juste pas. J'étais super complexée. C'est pour ça que j'avais ma frange qui couvrait comme la moitié de mon visage. J'avais toujours de la poudre, comme je me repoudrais, je pense, aux heures quasiment, tellement que j'étais complexée. Oui, comme tu sais, j'ai beaucoup encore de cicatrices, mais c'est carrément. Là, j'ai 28, c'est carrément 16 ans de cicatrices. Comme ça. C'est pour ça que j'en ai autant, mais mon acné en ce moment, je la contrôle super bien à cause de, justement, cette routine. Tu sais, des boutons, ça peut pop-up. Comme moi, en ce moment, je trouve que c'est par rapport à mes hormones, hein, que je vois une différence, ou par rapport à ce que je mange, quand je bois pas assez d'eau, quand je suis fatiguée, quand je mange gras, quand je lave pas assez mes têtes d'oreiller, parce que oui, ça m'arrive. C'est ça. Fait que ouais, c'est ça. J'ai tout essayé, des savons, des crèmes. J'ai même pris des antibiotiques. Il n'y a rien qui marchait. Les gens disent ça par rapport avec l'alimentation. J'ai aucune. En passant, j'ai aucune formation là-dedans. C'est vraiment par rapport à qu'est-ce que j'ai observé sur ma peau. Moi, ce que je mange, si je bois pas assez d'eau, si je dors pas assez, dans le fond. Mon mode de vie, depuis que j'ai comme tout réglé, tout arrangé, j'ai vraiment vu une énorme différence. Comme je contrôle vraiment mon acné, comme je sais quand je vais avoir un bouton. Si genre je mange un hamburger super gras ou des frites super gras, je sais que le lendemain, il y a un bouton qui va pop-up. Fait que s'il y a un bouton pop-up aussi, je sais comment m'en débarrasser. Je vous montrerai un jour. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que rien marchait. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a parlé de l'huile de thé. J'ai essayé, ça marchait super bien. Mais à un moment donné, ça a arrêté de fonctionner. Parce que j'avais pas encore changé mes habitudes de vie. Aussi, il y a quelque chose que j'utilisais jusqu'à très récemment. Mais là, vu que j'arrive à le contrôler autrement, je l'utilise plus. Mais c'était du peroxyde de benzoyle. C'est comme une bouteille qui se vend en vente libre à la pharmacie. Il y a plusieurs degrés. Plus c'est haut, plus c'est fort. Moi, je prenais le plus fort disponible à la pharmacie. Puis je pense que c'était à 5. Fait que c'est du peroxyde de benzoyle. Tu mets ça genre juste sur ton bouton. Puis ça sèche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Faut vraiment pas en mettre dans toute la peau. Parce que comme je l'ai déjà fait. Puis comme ma peau était toute comme... On dirait que j'avais de l'eczéma dans la face, mais oui, tu le mets sur ton bouton, puis ton bouton va disparaître comme vraiment, genre rapidement, le lendemain quasiment, tu vas avoir une énorme différence. Mais comme je dis, depuis que j'ai changé mes habitudes de vie, depuis que j'ai découvert l'huile de théier, surtout le vinaigre de cidre de pomme, ouais, ça a vraiment changé. Boire beaucoup d'eau. Pour vrai, avant, je l'avais pas compris, mais à cause de l'allaitement, je suis obligée de boire vraiment beaucoup d'eau. Fait que je bois comme facilement 4 litres d'eau par jour. D'eau, là. Ça inclut pas le jus, puis non, de l'eau, parce que j'ai ma petite bouteille. Mais, on va dire 3 litres et demi. J'ai ma bouteille de Dollarama. Je vais la montrer une autre fois, parce que je l'ai tout le temps, anyways.
Ouais, je la remplis 3 fois par jour. J'ai pas le choix parce que j'ai remarqué que ça influence vraiment la quantité de lait que je produis. Comme une vache. En fait, je suis une vache. Ouais, fait que la quantité de lait que je produis, même je dirais la qualité du lait, parce que si je bois pas assez d'eau, même si comme je sens que j'ai du lait, Yuna est comme, elle boit moins, on dirait, ou elle est comme juste pas d'âme, tu vois qu'elle chiale plus que d'habitude, alors que quand je bois vraiment d'eau, tu vas voir qu'elle va comme vraiment vouloir boire beaucoup, mes seins vont être comme remplis de lait, et surtout elle dort plus vite quand je bois plus d'eau. Fait que c'est ça. Donc beaucoup d'eau, manger beaucoup de fruits et de légumes, faire attention au sucre. Je mange pas full de céréales. Je mange. En tout cas, je mange de tout. Fait que pour vrai, la bouffe, c'est juste que je m'empêche de manger du fast-food. Je peux en manger comme une fois ou 2 fois par mois, mais j'en mange vraiment pas beaucoup. Puis c'est ça. Et je dors le mieux que je peux. J'ai quand même un bébé de 7 mois, hein, et un enfant de 2 ans et demi qui dort son amazing too. Yo, la note passant. Amazing too. Yo, ma voix est sexy. Non, c'est vraiment une bonne merde. C'était mon petit segment sur l'acné. N'hésitez vraiment pas à mettre en commentaire vos suggestions. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? De quoi vous aimeriez que je parle? Des questions que je peux répondre. Je peux faire des vidéos questions-réponses. Je peux essayer des produits aussi pour vous. Je me souviens plus si je l'avais dit dans ma première vidéo, mais je vais vous faire des recettes. Beaucoup de recettes. Oui, c'est ça. Des recettes que je fais qui sont comme que Liam aime pour toute la famille ou juste pour nous. Il y a aussi, genre, les femmes enceintes, vous allez vraiment m'aimer, mais comme je vais vous donner comme plein de tricks que vous pouvez. Ceux qui sont fans de sushi, mais qui ne peuvent pas manger de sushi, j'ai une belle recette pour vous. Le fait qu'on peut pas boire d'alcool, moi j'allaite, fait que je peux pas boire d'alcool, fait que j'ai comme plein de belles alternatives que je vais vous parler aussi. Fait qu'en attendant, abonnez-vous à ma chaîne, parlez-en autour de vous, aux filles qui ça intéresse. Je dis aux filles, mais aux gars aussi, là, comme peu importe qui veut m'entendre. Fait que oui, abonnez-vous et likez et partagez. Et on se voit la semaine prochaine. Ok, là je m'en vais, il y a peut-être une coche. Bye guys!